استغفر الله نستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد اخواني اخواتي شيخنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل ان شاء الله مع فقه الصيام كونتينيو افيك لو فقه لغايه الجهد في الصيام ووصلنا الى باب النيه او ما يتعلق بالنيات on est arrivé donc au point qui concerne les intentions niya لان الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فقال العلماء ان من شروط صحه الاعمال لا بد ان تكون هناك نيه donc les intentions sont obligatoires. Donc ça, c'est l'avis de la majorité des savants des écoles génétiques. Pourquoi ? Parce que les intentions font la validité des œuvres. Et une œuvre sans intention n'est pas valide, n'est pas valable. Exemple. Émetteur. Une seule. Yassoum. Walakim. يصوم لا يأكل ولا يشرب ولا يأتيه مفترات من جماع وما يشبهه ولكن يقول أنا أفعل هذا لكي أظفر بصحة جيدة وهو يصوم من الفجر إلى المغرب فهذا صيامه لما صام له وليس لله سبحانه وتعالى فلا يؤجر عليه من الناحية التعبدية. Donc celui qui, par exemple, jeûne, ne mange pas, ne boit pas, ne fait pas les actes qui invalident le jeûne, comme les relations intimes, etc., de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et qu'il dit « je fais ça pour maigrir, pour avoir une belle ligne, ou pour avoir une bonne santé ». Donc son jeûne, spirituellement parlant, religieusement parlant, n'est pas valide. C'est-à-dire il ne le trouvera pas comme acte religieux le jour du jugement dernier. Son intention était pour avoir une belle ligne ou pour sa santé, et c'est tout. ولكن من صام النافلة تكلم عن النافلة فالفرض هذا لا نقاش فيه. Donc bien sûr, ça c'est les jeûnes sur obligatoires, parce que le jeûne obligatoire qui est le mois de Ramadan ou les autres jeûnes obligatoires, il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire, tiens, je vais jeûner ce mois-là, les 30 jours, pour juste ma santé ou pour avoir une belle ligne, ou pour maigrir. Ce jeûne est invalide, ce n'est pas possible. On jeûne le mois de Ramadan parce que c'est un des piliers de l'islam et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire et c'est une adoration. Et d'abord pour ça, uniquement pour ça. Dans ce mois Ramadan, il y a des effets indépendants. Il y a un Ramadan qui est un rukn. Il y a un rukn de l'arcane de l'islam. Il y a un ta'abou lui et ibada. Il y a un rukn de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un rukn de l'arcane de l'islam. Il y a un rukn de l'arcane de l'islam. ولا يقول أصوم شهر 30 يوما حتى يعني يكون لي يعني جسم لائق ولياقة بدنية جيدة وصحة معتبرة إلى آخره فلا يصوم بهذه النية أبدا فلا بد أن يصوم رمضان تعبدا لله سبحانه وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام فمن فعل صام بهذه النية فصيامه لا يصح إذن من شروط صحة رمضان النية. Donc celui qui fait ça, donc son jeûne n'est pas valide. S'il ne fait pas pour l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala
et que c'est un pilier, c'est un pilier de l'islam. إذن النية والنية محلها القلب وننوي صيام رمضان في طبعا ليلة رمضان donc on a l'intention de jeûner le mois de Ramadan pour le mois juste le dernier jour ou la nuit qui précède le premier jour du mois de Ramadan on a l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Est-ce que je dois renouveler cette intention tous les jours du mois de Ramadan? Là, il y a une petite divergence entre les saints. هل يجب علينا أن نجدد النية في كل يوم من أيام رمضان أو يكفي أن نبيت النية في ليلة رمضان يعني ليلة أول يوم من رمضان وهذا يكفي لكل الشهر؟ هذا ما عليه جمهور العلماء. هذا ما عليه جمهور العلماء أن نية واحدة في ليلة رمضان تكفي لكل شهر ولا يجب علينا تجديد النية في كل ليلة. Donc je avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan en entier, donc la veille du premier jour du mois de Ramadan suffit pour ce qui concerne la vie de la majorité des savants. On n'a pas besoin de renouveler l'intention. Tous les jours. ولكن نعود إلى مسألة النية. فمن صام مثلا يوم تطوع وقال أنا أصومه تعبدا لله سبحانه وتعالى وأحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من باب ثاني حتى يعني تكون صحتي جيدة أيضا. هل يجوز الجمع بين النيتين؟ جمهور العلماء على جواز ذلك. Donc est-ce que si je jeûne un jeûne surrogatoire avec l'intention donc d'avoir la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce jeûne surrogatoire lundi ou jeudi etc. et en même temps je vais dire aussi c'est l'occasion aussi pour que je perde un peu de poids pour que j'ai une bonne santé. Est-ce que ça c'est valable dans la religion? La majorité des savants sont pour autoriser ce genre d'intention, associer les deux intentions, une intention religieuse, spirituelle, et une autre intention qui est une conséquence de cet acte-là ou de ce jeûne. Non. يعني يجوز هذا يقول حق يعني أنا أصوم لله سبحانه وتعالى وإن كان فيه يعني أثر على صحتي فهو جيد وهذا جوزه. جمهور العلماء هو ما يسمى بجمع النيات. ثم هناك استثناء. طبعا جمهور العلماء يقول على أن تبييت النية في ليلة رمضان قبل الفجر من أول يوم رمضان لأن من شروط صحة النية أن تكون قبل الفجر يعني بالليل. Donc, bien sûr, l'intention de jeûner le mois de Ramadan, cette intention, il faut qu'elle soit ferme et qu'elle soit donc émise la nuit du premier jour du mois de Ramadan avant l'aube. Il n'est pas nécessaire de la faire juste avant l'aube, mais si je dors le soir en me disant demain c'est le premier jour du mois de Ramadan, je vais jeûner Inch'Allah tout le mois, cela suffit. Quand je me lève avant l'aube, et même si je me lève après l'aube, le jeûne est valide, est valable. إذا الإنسان مثلا قال في الليل أنا أصوم غدا رمضان ونام في الليل واستيقظ بعد الفجر نيته صحيحة وصيامه صحيح. صحيح. Donc, il n'est pas nécessaire de le faire juste avant l'aube. L'essentiel, c'est de le faire la nuit. الآن الإنسان لم يبيت النية واستيقظ بعد الفجر وقال أنا نسيت اليوم رمضان يجب عليه الإمساك والقضاء قضاء هذا اليوم. Donc celui qui se lève après l'aube, il n'a pas affermi son intention la nuit ou avant l'aube. Donc il se réveille après l'aube
Et il se dit, tiens, j'ai oublié, aujourd'hui c'est le mois de Ramadan. Non seulement il faut qu'il arrête de boire et de manger, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il boive ni qu'il mange, et comme il y a eu un défaut d'intention au préalable, la nuit, avant l'aube, il doit rattraper ce jour-là. Et là, il y a pas de divergence entre les savants par rapport à ça, mais entre les écoles juridiques. إذا النية من شروط صحة الصيام. الآن إذا كان الإنسان مريض أو سفر أو على سفر وأفطر، أن هذا يجوز في رمضان للإنسان إذا كان مريضا أن يفطر. إذا برئ وأراد استئناف الصيام لا بد من تجديد النية هنا، فلا تكفي النية الأولى لكل رمضان. Donc celui qui est en voyage ou est tombé malade pendant le mois de Ramadan, donc il a arrêté le jeûne, lorsqu'il va reprendre, soit en retour de voyage ou parce qu'il a guéri, il est guéri de sa maladie, il doit renouveler l'intention. Car la première intention de jeûner tout le mois de Ramadan a été coupée. Donc là, il faut renouveler l'intention. هذا فيما يخص النيات، فيما يخص النيات، وهذا أمر سهل يعني محله القلب وليس فيه يعني تشديد كبير. الآن نصوم من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc le jeûne se passe entre l'aube, début de l'aube et le coucher jusqu'au coucher du soleil. طبعا الصيام من الفجر من طلوع الفجر الى الليل. قال سبحانه وتعالى اتم الصيام الى الليل. اولا لا بد من الامساك بين الفجر بين طلوع الفجر وغروب الشمس عن كل المفطرات il faut arrêter donc de manger, de boire et tout ce qui invalide le jeûne, que ce soit des relations intimes ou autres, du lever de l'aube jusqu'à au coucher du soleil. D'abord, il y a une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est avant l'aube de manger. On a qu'un sunna de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam, as-sahur. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فهي مستحبة ومندوبة، ليست بواجبة ولكن مستحب ومندوب أن نأكل قبل أو نشرب قبل طلوع الفجر. Donc il est recommandé d'après le prophète صلى الله عليه وسلم d'après le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم de manger, de boire, de faire sahur. Donc on se nourrit avant l'aube pour pouvoir affronter cette journée de jeûne, surtout quand il s'agit d'une journée longue d'été. Donc c'est une recommandation du Prophète de faire ça avant l'aube. Et surtout ne pas le faire lorsqu'on doute de la levée de l'aube. Voilà. يأكل ولا يشرب حتى يتحقق من عدم طلوع الفجر. فمن شك في طلوع الفجر فلا يأكل ولا يشرب حتى يتحقق. Donc celui qui doute, il se lève le matin, il doute, il ne sait pas si l'aube est levée ou pas, il ne faut pas qu'il se précipite sur la nourriture. Il faut d'abord qu'il s'assure que l'aube n'est pas encore levée. Après, il mange et il boit. ولكن من فعل هذا من أكل وشرب وهو لا يدري إن طلع الفجر أم لا ما الذي يترتب عليه. Donc celui qui mange et qui boit en ayant toujours le doute, il ne sait pas si l'homme est levé ou pas. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Lorsque il a
تحقق من أنه أكل وشرب قبل طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة. S'il s'assure qu'il a bien mangé avant, bien mangé et bu avant la levée de l'aube, donc il n'a rien à rattraper. On ne fait pas la journée, il n'a pas d'exhortation à faire. ولكن من شك في طلوع الفجر وأكل وشرب ثم تحقق أنه أكل وشرب بعد طلوع هذا يترتب عليه القضاء ولا تترتب عليه الكفارة. Donc celui qui mange et boit alors qu'il doute, il ne sait pas si l'aube est levée ou pas. Et puis, lorsqu'il va s'assurer, il va voir qu'il a bien mangé et bu après la levée de l'aube, celui-là, il doit rattraper sa journée, mais pas d'exhortation, pas de kafara pour lui. Car il était dans le doute. Alors, cette histoire de kafara, cette exhortation. Le kafara, عند المالكية, خلافا لجمهور العلماء, جمهور الملاهي, عند المالكية, كل من أفطر بجميع المفطرات, أي مفطر كان, إما شرب الماء, أو أكل, أو جامع زوجته, أو أتى أي من المفطرات, عمدا متعمدا قالوا انتهك حرمة رمضان, إذن يلابد عليه القضاء والكفارة. هذا عند الملك خلافا للجمهور الذين يقولون الكفارة إلا في الجماع المتعمد. Donc chez les malikites, celui qui boit, qui mange ou qui a des rapports intimes ou autre chose qui invalide le jeûne, donc de manière volontaire, chez les malikites, il lui faut l'exhortation. Car il a transgressé la sacralité du mois de Ramadan. Chez les malikites. Chez les autres écoles et les autres savants, l'exhortation n'est demandée, n'est obligatoire que pour le jeûne qui a été rompu par des rapports intimes avec son épouse. Mais celui qui mange et qui boit de manière volontaire a commis un très grand péché pour l'ensemble des savants et l'ensemble des écoles. Pour les malikites, par contre, ils insistent sur ça, ils disent celui qui transgresse la sacralité du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, hein, de manière volontaire, il lui faut l'exhortation. Ça ne suffit pas de rattraper la journée. يجب عليه القضاء والكفارة. ما هي الكفارة؟ Donc c'est quoi l'exhortation? Alors, الكفارة هي أولا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إن لم يستطع الصيام. نعم. سأتي للتفصيل إن شاء الله. Je vais développer. Donc l'exhortation, je parle de manière générale, après je développe. Donc c'est soit libérer donc un esclave, il n'en a plus, alhamdoulilah, soit jeûner deux mois successifs, soit nourrir 60 pauvres. عند جمهور العلماء, جمهور المذاهب والعلماء على الترتيب. على الترتيب. Chez la majorité des savants et des écoles, c'est dans l'ordre. D'abord libérer un esclave, si on ne trouve pas, on jeûne deux mois successifs, si on ne peut pas, on nourrit 60 pauvres. Ça, c'est dans l'ordre. Première, si on ne peut pas, la deuxième, si on ne peut pas, la troisième. On n'a pas le choix. Chez les malikites, il y a divergence. L'ensemble, la majorité des malikites disent que c'est au choix. عند المالكية في اختلاف في المذهب. المشهور في المذهب أنه على الاختيار. إما عتق رقبة وإما الإطعام وإما
صيام شهرين متتابعين على التخيير، واستحب بمشهور عند المالكية استحباب الإطعام. هذا عين في المشهور عند المالكية، ولكن خالف بعض علماء المالكية قالوا كما قال الجمهور على الترتيب لقوة الدليل، قوة الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi on tend beaucoup plus à l'avis majoritaire, et comme certains savants malikites aussi tendent vers l'avis majoritaire, c'est donc dans l'ordre, car l'argument est très fort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما جاء الأعرابي واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ما بك يعني ما فعلت؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من مرتبة إلى أخرى، لما لم يستطيع أن يعتق رقبة انتقل به إلى الخيار الثاني، هل تستطيع أن تصوم شهران متتابعين؟ قال لا أستطيع. ثم انتقل به إلى الخيار الثالث، هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، لا ما عندي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال لا أخذ وتصدق به. قال لا أعلم أفقر منا في هذا في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعم وأطعمه أهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à un bédouin qui est venu. Donc se plaindre au prophète صلى الله عليه وسلم, il était affolé, il a dit ça y est, je suis perdu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu des relations intimes avec ma femme le jour, dans la journée du mois de Ramadan. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui pose la question, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il lui dit, non, je ne peux pas. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc passe au deuxième choix. Il lui dit, est-ce que tu peux jeûner deux mois successifs? Il lui dit, non, je ne peux pas jeûner deux mois successifs. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم passe au troisième choix. Si tu ne peux pas, donc, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Et le bédouin dit, non, je ne peux pas nourrir 60 pauvres, je n'ai pas de quoi nourrir 60 pauvres. Donc, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a bien et bien passé. Donc, d'un niveau à un autre, lorsque le bédouin n'a pas pu réaliser le premier, la première demande, ainsi de suite. Et puis, il lui dit, donc il a ordonné qu'on lui ramène des dates, donc il a dit au bédouin, tiens, prends-le, prends ça, puisqu'il ne peut pas nourrir 60 pauvres, il lui a dit, prends ça et va le distribuer aux pauvres. Il lui a dit, le bédouin dit au prophète صلى الله عليه وسلم, je ne connais pas plus pauvre que nous dans cette ville. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a souri, il lui a donné, il lui a dit, tiens, nourris ça, nourris ta famille avec ça. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, bien sûr, est passé d'une étape à l'autre lorsque le bédouin n'a pas pu réaliser. Donc la première demande, ainsi de suite. Donc l'argument est très fort. Et ce hadith-là, il a été donc rapporté comme ça, dans cet ordre-là, dans Sahih al-Bukhari Muslim. Donc l'argument est très très fort par rapport aux autres hadiths qui sont venus avec une insinuation de choix, qui sont beaucoup plus faibles que ce hadith-là. Et c'est pour ça que l'argument de la majorité des savants est très fort. C'est que ce n'est pas au choix. C'est si on ne peut pas faire ça, on passe à la deuxième. Si on ne peut pas jeûner deux mois successifs, on nourrit 60 pauvres. هذا التكفير، هذا ما يخص تكفير صيام، تكفير يعني الإفطار عن دم، انتهاك حرمة رمضان، انتهاك حرمة رمضان. Donc ça c'est l'exhortation. Ce que veut dire l'exhortation est donc chez les malikites bien sûr, c'est le fait de transgresser la sacralité du mois de Ramadan. Donc voilà, on continuera inchallah la semaine prochaine. On continuera de parler du jeûne et
on est arrivé ici. Oh, donc, que veut dire le jeûne? C'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations intimes et éviter tout acte qui invalide le jeûne. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah, quelles sont les autres choses qui peuvent invalider le jeûne. Par exemple, est-ce que lorsque on voit quelque chose qui est licite, est-ce que ça invalide le jeûne? Est-ce que certains actes que font les adolescents, est-ce que ça invalide le jeûne ou pas? On verra ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.